Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne connaît pas encore le monde. Et du haut de ses 6 ans, la seule chose qui l'intéresse, c'est de voir ce pétillement dans les yeux de ses parents quand elle a fait ce qu'ils attendaient d'elle. Elle pense que c'est ça l'amour. Elle pense que c'est ça être aimée. Faire ce qu'on lui dit qui est bien de faire et de ne surtout pas regarder autour. Alors elle grandit en appliquant cette leçon partout. À l'école, elle apprend à se taire, à faire les choses au moment où on lui dit de les faire. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne peut pas s'aimer elle-même parce qu'au fond, elle ne sait pas qui elle est. La petite fille va forcément dans le mur, elle va forcément rencontrer des gens qui vont abuser d'elle et ça va la mettre en colère parce que, littéralement, elle n'a rien fait. Mais dans ce silence permanent, elle sait une chose. Elle sait que quand elle utilise sa voix, il se passe des choses dans le regard des gens. Elle voit une autre sorte de pétillement et c'est cette lumière qui va la guider. Alors elle s'approche des gens autour, elle s'approche à pas de velours. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde accepte ce jeu de l'uniformisation. Pourquoi ils sont d'accord de faire tous pareil? Pourquoi ils sont d'accord de dire tous pareil? Ne pas prendre de risques, être diplômé, marié, véhiculé, se lever à 6h, rentrer à 18, se tenir loin des autres, ne plus s'approcher, ne plus les toucher. Pourquoi? Pourquoi, si le but c'est d'être aimé, pourquoi supprimer tout ce qui fait notre humanité? Voilà. À nu, c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fête.